Bonjour et bienvenue à cette séance d'entraînement. Je suis Maxime Franquinet, champion d'Europe en 2014, vice-champion du monde en 2015 et entraîneur équipe de France de Wushu aujourd'hui. Cette séance d'entraînement, aujourd'hui, nous allons voir le thème de la souplesse. La souplesse, c'est une qualité physique indispensable en Wushu. Elle va permettre d'augmenter vos vitesses, elle va permettre d'augmenter la fluidité de vos mouvements et elle va permettre aussi de réduire les blessures potentielles dû aux tensions accumulées par les entraînements ou sur un faux mouvement. Avant de commencer, j'aimerais apporter un petit point de détail sur la définition des deux termes, le terme étirement et le terme souplesse. Le terme étirement, ce sont des exercices qui vont préparer un ou plusieurs muscles à votre entraînement. L'entraînement, le corps de la séance après. Le terme souplesse, ce sont des exercices qui vont augmenter l'amplitude articulaire. Donc, vous voyez qu'il y a deux objectifs qui sont différents en fonction de ces deux termes. Les autres termes, comme stretching ou autre, sont simplement des anglicismes d'étirement ou de souplesse. Durant la séance, nous allons voir plusieurs méthodes de travail, ainsi les détails qui sont associés à ces méthodes-là. L'alignement du corps, les placements du bassin et autres. Par contre, bien penser, avant de faire une séance de souplesse, il faut penser à s'échauffer comme dans tout type d'activité physique. D'accord? Si vous ne savez pas comment vous échauffer, très simplement, on commence généralement par un échauffement articulaire, donc on fait mobiliser les articulations, on part de la tête et on va vers les jambes, et ensuite on commence un petit échauffement cardiovasculaire pour augmenter la température du corps. La température du corps est importante pour le travail de souplesse. Pourquoi? Vos articulations sont composées de liquide synovial et de membres articulaires. Si celles-ci ne sont pas bien échauffées, si elles ne sont pas montées un petit peu en température, ça va être plus difficile pour essayer de tirer un peu dessus et là, du coup, vous risquez de vous blesser. Donc bien s'échauffer avant de faire un travail de souplesse. Tout doucement, on va quand même échauffer la tête. Celle-ci va être utilisée pour la souplesse du dos. Je fais des rotations, je garde les yeux ouverts. Je vais correctement, je ne vais pas trop derrière, par contre, je descends la tête correctement vers le bas. J'évite d'aller en hyper-extension vers l'arrière, ça, c'est le problème au niveau cervical. On reste, on va bien chercher les oreilles sur les épaules. On fait 10 tours dans un sens et 10 tours dans l'autre. Très bien. Ensuite, deuxième zone, on peut mobiliser. On met les mains sur les épaules, on fait des cercles avec les coudes. On chauffe tout doucement les épaules. Voilà. On fait 5-6 tours dans un sens. Et ensuite 5-6 tours dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, la même chose avec les bras grands ouverts. On va chercher le plus haut possible et ainsi le plus loin derrière aussi. D'accord? On cherche le plus haut possible et le plus loin derrière. Dans le sens. Allez. Maintenant, on travaille le tronc, les bras, on va regarder derrière soi, on mobilise les épaules, on va doucement, on cherche d'aller le plus loin possible à chaque fois. Très bien. Travail de hanche, on bouge le bassin. Dans un sens et puis dans l'autre. Parfait. Les genoux, on peut le frotter un petit peu avant, devant, derrière. Voilà, je descends doucement, je monte. Voilà, je fais 10 flexions d'extension à peu près. Très bien. Allez, maintenant, on va travailler les chevilles et les poignets. Donc je plante ma pointe de pied au sol, je fais rotation des poignets et je fais des cercles avec mon talon. Voilà. Avec les poignets, j'essaie d'aller de plus en plus loin à chaque fois dans l'amplitude et dans l'autre. On fait l'autre cheville. Très bien. Là, globalement, nous avons mobilisé l'ensemble de nos articulations. Maintenant, nous allons augmenter un petit peu la température un peu plus haut. On peut commencer d'abord par faire des petits trottinements sur place, comme si je pourrais mettre sur place. Tout doucement. Voilà.
faire ça à peu près pendant 30 secondes, 30-45 secondes. Une fois passé le délai des 30 à 45 secondes, voilà, je vais commencer à monter les genoux. Voilà, toujours sur place, je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour travailler. Voilà, j'essaie de monter un peu plus haut les chevaux au fur et à mesure. Très bien. Je redescends un petit peu, je trottine, je récupère. Voilà, dans les fesses. Alors vous doutez bien, en bouchon on va beaucoup étirer les ischios aujourd'hui. Donc ceux-ci doivent être bien échauffés avant, en amont. N'hésitez pas sur les talons-fesses. Très bien. Voilà, c'est un petit peu. Maintenant, on va faire un petit peu. Sur le côté, j'active les bras aussi. Voilà. Je refais une quinzaine. C'est très bien. Maintenant, devant, derrière, avec le bras et la jambe opposée. Voilà. Je remets un petit peu la coordination. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore assez chaud, vous pouvez faire un deuxième tour. Trottiner, monter de genoux, talons fesses, les pas sur le côté et les pas sur le dos. À vous de travailler. Pour la suite, nous aurons besoin d'une chaise ou d'un espalier si vous avez, une chaise ou un rebord de table comme vous le sentez. D'abord, on va commencer à travailler sur la partie avant, sur le psoas. Donc, on commence sur fente avant, la jambe avant bien dans la direction du bassin, le talon bien levé derrière, la jambe arrière, important. Si elle est pliée, le travail sera moins efficace. Et on essaie de tendre au maximum la jambe derrière. L'intention est d'aller poser le talon dans le sol. Je regarde vers l'avant, je peux mettre les mains sur les genoux. Je fais bien attention à ce que mon genou ne dépasse pas mon pointe de pied. Et ensuite, l'idée est de descendre le bassin vers le bas. D'accord ? J'essaie de descendre. Alors, vous voyez, là, je fais des petits mouvements de haut en bas. Ça, c'est un travail qui s'appelle en statodynamique. Ça, ce sont des étirements. Donc là, on va préparer le corps à la séance de souplesse après. D'accord ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Étirement et souplesse, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Donc là, je fais un petit mouvement. Je vais commencer à accélérer un petit peu. Je vais créer ce qu'on appelle un réflexe myotatique. Donc, je vais échauffer un peu plus profondément le muscle et le préparer aux assouplissements pour tout à l'heure. Voilà. Je fais ça à peu près une quinzaine de fois et ensuite, je change de jambe. Donc, ma jambe dans la bonne direction de mon genou, bien vers l'avant. Mon talon derrière, bien levé. Ma jambe arrière, bien tendue. Je regarde droit. J'ai le dos bien droit et mon bassin, j'essaie de le mettre vers le bas. Voilà. Je fais des petits mouvements de haut en bas. Je continue à échauffer le muscle. Une quinzaine de fois. Très bien. Parfait. Ensuite, je vais prendre ma chaise. Pour les moins souples, je vais rester en bas. Pour les plus souples, je vais plus en haut. Faites attention à ce que la chaise soit bien sur le sol et qu'elle ne parte pas et que vous tombiez derrière. Ça serait dommage. En bouchou, vous verrez, c'est indispensable que la pointe de pied revienne. Contrairement à la danse où le pied doit être tendu, en bouchou, la pointe de pied doit être correctement flex. Donc là, je vais mettre les mains en face. Ma jambe au sol est tendue. Ma pointe de pied est dans la direction de ma jambe qui est levée. On évite d'avoir la pointe de pied désaxée. D'accord ? On reste bien en face. Et mon bassin, vous voyez, il part sur le côté. Là, je vais rentrer mon bassin au maximum, vers l'avant. D'accord ? Le bassin opposé rentre au maximum. Et j'avance les deux mains vers l'avant, correctement. Là, pour l'instant, on est toujours dans une phase d'étirement, donc de préparation à la souplesse. Donc, je peux commencer à faire des petits mouvements de haut en bas. Voilà. Là, mon intention est que mon front vienne toucher ma pointe de pied. D'accord ? C'est mon intention. Mon intention n'est pas de venir toucher ici. Non. Je vais essayer d'aller toucher vers l'avant. Donc, quand je descends, vous voyez ma tête, elle pousse correctement vers l'avant. D'accord ? On fait une quinzaine de fois. Voilà,
je vais tenir tout doucement. Très bien. Je reviens. Je change de jambe. Moi, je me relaxe pour vous. Donc, la pointe de pied en bas vient vers l'avant. Ma jambe bien tendue. Mon bassin, je le ramène complètement. Ça, c'est important. Et je vais vers l'avant. L'intention est que ma tête vienne toucher ma pointe de pied. Vous voyez, ma pointe de pied n'est pas relâchée. Elle est correctement flex. Elle est tirée vers moi. D'accord? Ça étire également un petit peu la partie du mollet. Très bien. Parfait. Donc là, on a fini pour la première phase d'étirement, de préparation. Maintenant, on va décaler ça sur le côté. On va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, sur la souplesse, vous avez deux méthodes principales pour travailler. La première méthode est la méthode qui est passive. C'est-à-dire, on se met en position, on ne bouge plus, et on descend, on attend que ça descende. D'accord ? On peut être actif avec quelqu'un qui vient pousser, ou alors on verra d'autres méthodes pour être actif, pour soi-même se forcer à pousser un petit peu. Et il y a une autre méthode pour les assouplissements qui s'appelle la méthode creux, contracter, relâcher, étirer, qu'on verra tout à l'heure, qui est une méthode très efficace et un gain de temps pour pouvoir gagner en souplesse, en amplitude articulaire. Donc là, on va continuer un petit peu. Vous voyez, je repars sur ma position, comme on s'appelle, de front avant. Je vais poser mon genou, relâcher ma pointe de pied derrière. Et là, c'est mon bassin qui va essayer d'aller plus vers l'avant possible. Je mets ma main derrière pour avoir la sensation de la hanche et pour essayer de pousser un petit peu. Donc là, on travaille un petit peu en actif. Voilà. Et une fois que je suis bien descendu en bas, je vais presser sur ma hanche et redresser mon dos. D'accord ? Donc, tire correctement le psoas. On redresse. Et là, sur chaque phase de souplesse, sur chaque phase d'exercice de souplesse, il faut attendre un minimum de 15 à 20 secondes. Vous pouvez faire plus longtemps si vous voulez, mais si vous voulez gagner en souplesse, c'est le minimum, 15 à 20 secondes. Très bien. On change. On fait. Faut pas hésiter, lors de travail de souplesse, de répéter plusieurs exercices différents sur le même muscle. Ça, c'est pas grave, hein. La souplesse, c'est un petit peu un travail comme la musculation. Il faut répéter plusieurs exercices, varier les efforts, afin de gagner un petit peu en amplitude articulaire. Donc, ma jambe, vous voyez, elle est bien axée, elle part pas sur le côté vers l'arrière, elle reste bien droite, mon genou bien droit, le dos droit, et j'appuie avec ma main vers l'avant. D'accord ? Là, on va étirer la partie, la face avant de la cuisse, le psoas ici. Et là, je ne bouge plus. 15 à 20 secondes. Je peux me redresser, j'étire correctement. Très bien. On va passer à la deuxième étape. On va venir s'asseoir correctement sur les talons. Ensuite, je vais tendre ma jambe devant. Vous voyez, mon genou, mes deux genoux sont au même niveau et je me pose correctement sur mon pied à l'arrière. Je vais attraper avec ma pointe de pied, ça c'est important. Donc si certains vous êtes moins souples, on peut attraper au niveau des chevilles ou alors céder avec une ceinture ou un ruban assez costaud, un ruban élastique aussi, le positionner derrière et venir tirer dessus. Donc là, j'attrape ma cheville. Ça, c'est important. Je vais tirer en même temps sur ma cheville, en même temps que ça va tirer sur mes ischios. Et l'intention est que ma tête vienne toucher le pied. D'accord ? Ça, c'est mon intention. Je vais chercher vers l'avant et je tire correctement. Voilà. Pour l'instant, je fais des petits à-coups, je prépare mon muscle. Voilà, je vais doucement. Et là, maintenant, je vais me programmer pour tenir au moins 20 secondes la position le plus bas possible. Et je respire profondément. Voilà, je cherche le plus bas possible, je respire profondément. Très bien. Donc, le but, hein, se rappelle, c'est que le pied vienne toucher le fond. Ça, c'est la prime. En wushu, c'est vraiment une qualité essentielle, hein. Donc là, je viens et je bouge plus. 15 à 20 secondes. Très bien. Je change. Donc, je m'assois. Je change de jambe.
Mon pied derrière est bien axé, devant, j'attrape la pointe de pied, je ramène bien les deux bras, je tire sur mes bras, ou alors je m'aide avec une ceinture, et l'intention est que mon tête vienne toucher le pied, d'accord? Je tire en même temps hein, sur la cheville, c'est normal. Maintenant, je descends le plus bas possible, et là, j'arrive à ma limite, et je reste, j'essaie d'aller un petit peu plus loin que ma limite, pas plus, je respire, allez, maintenant si je peux toucher, j'y vais, très bien, ça c'est la première phase, maintenant nous allons voir la deuxième phase un peu plus poussée, ça, c'est pour les personnes qui sont déjà assez suffisamment souples, on va faire un travail ce qu'on appelle en actif, donc c'est-à-dire qu'on va agir sur le corps pour étirer. Pour assouplir un peu plus. Vous prenez, moi j'ai à disposition un espalier, mais vous pouvez prendre une table, une chaise ou quelque chose à hauteur. Peu importe le niveau de hauteur de votre jambe, le principal, vous allez voir. Donc, je reprends comme tout à l'heure. Hein. Je vais travailler toujours la face arrière de ma jambe. Mon pied est toujours dans la direction. Je fais attention à ce que ma hanche soit bien entrée. Hein. On évite d'avoir la hanche ouverte. Donc, ferme correctement la hanche. Maintenant, le travail actif, il va se faire comme ça. Avec le coude de la même jambe, je vais appuyer sur mon genou. D'accord ? Comme ça, ça va éviter ce petit phénomène de jambe pliée. Donc, je vais appuyer dessus. Avec mon autre main, je vais attraper la pointe de pied. Je vais étirer en même temps ma cheville. Et je vais m'aider en mettant mon coude sur mon bras, en appuyant l'ensemble. Donc, avec mon bras, mon bras gauche va prendre ma jambe droite, je vais tirer sur la cheville. Mon coude va appuyer sur ma main droite et mon coude droit va appuyer sur mon genou. Donc là, j'ai une pression vers le bas au niveau de mon genou et une pression aussi au niveau de ma cheville pour ramener sur ma tête. Donc toujours 2-3 petits à-coups et ensuite on va chercher le plus loin possible et on tient. Allez, on essaye à chaque fois d'aller un petit peu plus loin, de franchir doucement sa limite personnelle. Voilà, 10 à 15 secondes. Et maintenant, on descend un peu plus loin. Allez, on va un peu plus loin. 20, 30 secondes, le minimum. Hein. Ok. On fait la même chose. Donc, la jambe droite. Ma pointe de pied en bas, bien dirigée vers ma jambe. Dans le même axe. Je rentre ma hanche. Je pose mon coude sur le genou. J'attrape ma cheville avec mon autre main. Je pose mon coude dans la main et je descends. Donc 2-3 petits à-coups pour chauffer et ensuite je descends au maximum. Voilà. 10, 15, allez, on va un peu plus loin. Là, le but c'est d'appuyer sur le genou. Hein. Très bien. Voilà. Il faut bien faire attention, l'entraînement pour la souplesse, c'est un petit peu comme dans tous les autres sports. Il faut pouvoir dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort, sans trop aller pour aller à la blessure. Sur les travaux de souplesse, vous-même, vous allez sentir quand est-ce que le point de rupture, quand est-ce que vous pouvez aller ou non. À vous d'écouter votre corps. Faites attention à ça, mais vous ne pouvez pas gagner en souplesse si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ne serait-ce qu'un petit peu. Nous allons travailler les travaux des adducteurs. Donc là, on a fait beaucoup sur les ischios et sur les chevilles, un petit peu sur le psoas. Donc maintenant, on va travailler sur les adducteurs. Sur les adducteurs, donc, on peut déjà faire un premier échauffement avec la position Proucou que vous connaissez déjà. Donc, on va en même temps attraper la pointe de pied et ouvrir le genou vers l'extérieur avec son coude. D'accord? Vous avez vu, mon autre main, elle est posée sur mon genou pour garder la jambe tendue. Voilà, je fais 2-3, je fais 5-6 petits à-coups. Je vais de l'autre côté, j'appuie, j'ouvre et je tiens. Voilà. Donc ça, ce sont des petits exercices préparatoires. Très bien. Ensuite, bon, ben, il n'y a pas 36 chemins. Hein. On va se mettre en position grand écart facial. D'abord, on va le faire d'abord au sol. On va se préparer comme ça. J'écarte les jambes au maximum. Hein. Avec mes mains, je vais pousser sur les genoux pour que mes genoux touchent le sol. Si c'est déjà le cas, je vais avancer mon bassin, faire un travail en télé-rétroversion.
Donc, dans d'autres mots, je suis ici, je pousse et je vais avancer mon bassin comme si je voulais aller m'allonger. D'accord? Je garde mon dos droit. Je vais faire des petits mouvements de va-et-vient, voilà, pour échauffer. Pour l'instant, on est toujours dans une petite phase de préparation pour aller chercher un peu plus loin. Une fois que j'ai bien senti. Maintenant, je vais mettre les mains le plus loin possible et je vais essayer de m'allonger pour poser les épaules et l'ensemble du corps sur le sol. Voilà, je vais chercher loin et là, on va faire un travail passif très simple. On reste au sol, on ne bouge plus, on respire. Voilà, respire doucement. Pareil, on reste 10 à 15 secondes. Très bien. Voilà. Là, on est tiré. On peut faire un autre petit travail, ce que j'appelle le travail du papillon. Ça, vous connaissez tous. Je rapproche les pieds proches de mes fessiers. Je verrouille les chevilles avec mes mains. Et avec mes coudes, je vais pousser sur les genoux, sur le côté, afin qu'ils viennent épouser le sol de chaque côté. Alors, on évite de faire les mouvements balanciers, mais vraiment d'écarter les deux en même temps, en symétrie. Et là, et ensuite, je tiens. Hein. D'accord, on n'oublie pas, 2-3 petits à-coups, on échauffe, on étire doucement, et ensuite, on maintient la position un minimum de 20 secondes. Parfait. Maintenant, sur le prochain exercice, donc toujours pour le grand écart facial, l'objectif là c'est d'avoir le grand écart facial, je vais vous montrer deux possibilités. Donc la possibilité passive, on va se mettre en grand écart et je vous montre, attention les détails, le bassin et l'autre. Et ensuite, l'autre possibilité de travail pour gagner en souplesse, la méthode creux que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je place mes mains, je le mets correctement sur les pieds, je vais poser mon pied à droite, mon pied à gauche. Je fais attention à ce qu'il y ait une bonne ligne entre mon pied, mon bassin et mon entrepied. D'accord? Quand je vais mettre les mains, j'évite de me poser vers l'avant ou alors j'évite de poser vers l'arrière. Hein, je reste sur une ligne imaginaire formée entre les talons et le bassin. Et là, eh ben, je vais descendre tranquillement. Je vais chercher à descendre le plus possible en gardant mes pieds sur le sol. Je descends. Je maintiens la position. Là, on peut y aller directement. On a déjà fait l'exercice préparatoire avant. On descend maximum, on respire, voilà, on tient, on attend 20 secondes, toujours pareil, je respire profondément. J'essaye un petit peu de chercher un peu plus bas à chaque fois, ça, il n'y a pas de problème. Je vais dire, on essaye de repousser un petit peu légèrement sa limite. Au fur et à mesure, on respire, et on essaye de garder les pieds sur le sol. Voilà, une fois qu'on est en bonne position, vous faites votre grand écart. Moi, je mets mes mains sur mes genoux pour faire un petit travail actif en même temps afin de continuer à travailler ma souplesse. Et vous voyez, je fais des petits mouvements de va-et-vient. Voilà, je tiens avec mon bassin afin d'étirer au plus possible au niveau de mes hanches. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'était la méthode passive, un peu légèrement active. Ensuite, on va voir la méthode creux. La méthode creux, un travail qui va se faire, s'appelle contracter, relâcher, étirer. La méthode, elle va se faire comme ça. Vous allez faire 10 secondes de contracté. Donc pendant 10 secondes, je me mets en position d'écart. Pendant 10 secondes, je vais essayer de ramener mes jambes. D'accord? Si j'exagère un peu le mouvement, mes jambes elles remontent. Je pourrais remonter directement. Donc là, je vais appuyer sur le sol pour contracter au maximum mes adducteurs. Parce que c'est ces muscles-là qu'on étire. Je contracte. Je contracte pendant 10 secondes. Vous comptez dans votre tête tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je relâche. Donc, je remonte légèrement. Je relâche les jambes. Voilà. Et ensuite, je vais descendre. J'étire au maximum. Pour moi, c'est facile, mais pour vous, vous allez à votre limite. On étire pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12, c'est mieux peut-être. 12, 9, 10, 11, 12. Parfait. Une fois qu'on est là, on recommence l'opération. On va recommencer ça 3 fois. Donc là, de cette position-là, je contracte. J'essaie de ramener mes pieds ensemble. D'accord? Je contracte au niveau des adducteurs.
Je contracte. L'idée là, c'est de se relever pendant 10 secondes. Et ensuite, je mets de mes bras. Je relâche. Donc, contracter. Relâcher maintenant. On relâche pendant 6 secondes. Voilà. Ça va mieux. Et là, je vais étirer. J'étire au maximum. Je vais essayer d'aller un peu plus loin que tout à l'heure. J'étire pendant 12 secondes. Et là, je compte. 1. Je compte une fois que je suis en position. Hein. Pas pendant la phase où j'ai 4 mes jambes. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Et ça, ensuite, vous allez le recommencer 3 ou 4 fois, comme vous le sentez. Donc ça, c'est vraiment un travail très efficace pour gagner en souplesse. Maintenant, on va travailler sur les grands écarts latéraux. Les grands écarts latéraux, il va faire attention, parce que souvent, on pêche un petit peu au niveau du quadriceps et au niveau du psoas. Donc, on va légèrement décaler le bassin pour travailler sur les adducteurs, sur la jambe arrière. Donc, faites attention au placement. Regardez. D'abord, la position initiale, ça va être de mettre les genoux ensemble. Je reste bien droit. Je vais décaler ma jambe devant. Donc, vous voyez, mon bassin, je vais essayer de le garder au maximum en face. Souvent, des fois, on commence à ouvrir son bassin ici. On revient le bassin en face. D'où le travail de tout à l'heure sur la chaise, de replacer son bassin. Je positionne mes deux mains vers l'avant, au début. Ensuite, je garde cette jambe-là tendue. D'accord? Ma jambe avant, elle reste tendue. Et ensuite, c'est ma jambe arrière. Moi, je préfère reculer cette jambe-là et de garder celle-ci tendue au maximum qui va bouger. D'accord? J'évite de bouger vers l'avant. Parce que souvent, quand on bouge vers l'avant, après, le genou, il va se lever. Là, je la laisse tendue et je recule ma jambe à l'arrière. Je recule, je recule, je recule, je recule pour essayer de garder une belle ligne entre ma pointe de pied, mon genou, ma hanche qui est tournée vers l'avant et la ligne de jambe arrière. Attention au genou à l'arrière. Hein. En wushu, en taolu, si vous faites de la compétition, on sait que si vous avez une jambe qui est pliée comme ça, c'est la faute, le code d'erreur numéro 22. Donc ça, souvent, on le voit arriver. Donc il faut correctement que votre jambe soit tendue. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure du bassin. Souvent, à partir d'une position assez basse, on va commencer, le bassin va commencer un petit peu à se tourner et d'avoir le bassin qui se tourne comme ça. Donc là, en fait, on est plus sur un travail d'adducteur sur la jambe arrière que sur un grand écart qui est parfaitement aligné. Donc pour ça, on va remonter et on va s'obliger, en mettant la main un peu plus vers l'avant, à garder la hanche vers l'avant. Et je m'oblige. Je vais moins bas, peut-être, parce que je suis moins souple, mais je vais le travailler. Donc là, toujours la méthode passive. Une fois que je suis en position le plus bas possible, je cherche un peu plus, j'écarte un peu plus et je tiens au moins 15 à 20 secondes, minimum. Une fois que j'ai terminé, je reviens et je change de jambe. Alors, le travail de grand écart, que ce soit en passif ou en méthode creux, il ne faut pas hésiter à les répéter plusieurs fois. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, un muscle, ça a besoin de travailler, ça a besoin d'effort. Ça a besoin de répétition afin de gagner votre objectif. Donc, je place bien ma jambe arrière. Je ramène bien la pointe de pied. Et ensuite, une fois que ma jambe ici est bien tendue, je recule ma jambe à l'arrière, toujours dans le même axe. Je fais attention à ce que mon bassin ne s'ouvre pas. Donc, si ça s'ouvre, je mets une main un petit peu plus en avant et j'essaye de tenir cette position. Là, je tiens, je tiens. Et là, je tiens entre 10 et entre 15 et 20 secondes. Maintenant, nous allons voir la deuxième phase pour le niveau pour les personnes qui sont déjà beaucoup plus souples. D'accord? Toujours sur le grand écart facial et ensuite sur les deux grands écarts latéraux. Là, je vais m'aider, je vais travailler, communément on appelle ça le grand écart travaillé en négatif. Donc, c'est-à-dire, on va surélever la jambe par rapport au plan du sol qui, on va dire, lui est nul, négatif, c'est-à-dire, on va surélever. Sur le grand écart facial, je vais m'aider d'appuis qui sont surélevés. Alors, tout le monde n'a peut-être pas de cible à portée de main ou de pao, hein, que vous pouvez utiliser dans vos clubs. Mais sinon, chez vous, vous avez certainement des livres, des coussins assez volumineux. Vous pouvez les utiliser comme support. Hein. Donc, on va faire la même chose. On va revoir sur le latéral. On va écarter les jambes au maximum. D'accord? Là, je m'avance. Là, je trouve mon placement de bassin. J'arrive à ma limite. Une fois que ça commence à bien étirer, et là, même travail, même principe que tout à l'heure, je vais m'allonger au maximum. Je m'allonge et je tiens pareil la position entre 15 et 20 secondes. Très bien. Vous pouvez essayer de faire la méthode creux en mettant aussi ce travail-là
Donc, je me place au-dessus de chaque côté. Faites attention à votre équilibre. Le but, c'est de pas se baisser. J'écarte au maximum. Et là, pour ceux, faites attention parce qu'il n'y a plus le sol qui vous retient. Donc, je fais toujours attention. Je me tiens avec les bras. Je fais attention à mon alignement pied, hanche et notre pied. Et je vais ouvrir le plus que possible. Voilà. Je respire. Respire profondément. Voilà. S'il y en a qui veulent faire la méthode creux avec la surélévation, allez-y, mais faites attention. Là, les efforts sont beaucoup plus importants sur les adducteurs. C'est vraiment, je ne le conseille pas forcément, je préfère que vous le fassiez avec les jambes sur le sol. Maintenant, si vous voulez le faire, faites très attention et soyez bien échauffé sur toi. Pardon. Maintenant, on va travailler les latéraux. Cela, c'est moins de risque, moins embêtant. Donc, vous voyez, sur les grands écarts latéraux, il y a deux zones importantes à étirer. Donc, la zone de la jambe avant, donc au niveau des ischios, la zone arrière avec le quadri et le psoas. Souvent, la zone arrière, c'est elle qui fait le plus défaut. La zone avant, on peut le travailler en plusieurs temps. On peut le séparer, segmenter, c'est-à-dire, pour l'instant arrière, je ne m'en occupe pas. Je me positionne, c'est mon talon qui est posé, et pas uniquement la jambe. Pourquoi le talon? Parce que je vais pouvoir garder, en mettant sur mon talon, je vais pouvoir garder cette ligne de corps de jambe. Si je la place plus en dessous, ça va inhiber un petit peu cette ligne de corps. Donc ça, c'est important. Je fais toujours attention à mon bassin qui est bien positionné, et je recule la jambe à l'arrière. Je vais chercher le plus loin possible. Voilà. Le but, c'est de garder cette ligne ici, de garder la hanche, tout en élevant votre jambe. Ça, c'est important. Maintenant qu'ils sont déjà bien souples, si vous arrivez déjà à faire ce travail-là, on va travailler aussi cette flexion de cheville, toujours sur le même principe que tout à l'heure avec l'espalier. Donc, c'est-à-dire une main sur le genou, une main sur la cheville, sur la pointe de pied, et mon autre coude qui vient mettre une pression dessus. Voilà. Et là, pareil, je reste passif et j'attends 15 à 20 secondes. Maintenant, ceux qui sont pas loin de votre pied-tête, c'est le moment de travailler. Donc là, forcez-vous pour venir toucher correctement votre pied-tête, tout en gardant l'alignement de corps. Hein, j'essaie de bien aligner mon corps et je vais toucher. Très bien. Et vous pouvez répéter ça avec l'autre jambe. D'accord? Donc sur les phases d'étirement, de souplesse, de travail d'assouplissement, on n'oublie pas, on attend au minimum 15 à 20 secondes. Maintenant, on peut travailler aussi la zone arrière, elle est essentielle. La zone arrière, comment on va faire? La zone arrière, je vais positionner, cette fois-ci, mon genou sur la cible, sur votre livre, sur votre coussin. Je me positionne ensuite ma jambe. Je vais placer ma jambe. Et là, on ne va plus pouvoir bouger la jambe arrière parce qu'elle est verrouillée, que ça risque de tomber. Et c'est ma jambe avant qui va aller chercher. Vous avez mon pied, j'essaie de le garder droit. J'essaie de bien garder ici mon genou sur l'élévation. Je mets mes mains devant, je contrôle. Et même principe, je me redresse. Et là, c'est important de se redresser. Si on reste devant, on va toujours travailler sur la zone avant. Et là, on se redresse au maximum. Voilà. Très bien. Pareil, on attend 15 à 20 secondes. Maintenant, deuxième travail aussi, possible. On va travailler la cheville. La cheville, pour celles et ceux qui veulent travailler le pied-tête, le mouvement, ou lorsque vous ramenez votre pied bien toucher votre front, il faut impérativement assouplir votre cheville. Pour ça, comment faire? On a vu déjà des exercices de fait de flexion sur la cheville lors des étirements des ischios ou autres. Donc quand je me mets en position, je m'assois, je pose correctement mon pied, et quand je vais descendre, j'amène mon genou au-delà de la pointe de pied, mais dans le même axe. Ça, c'est vraiment très important. On évite d'avoir un genou qui part par là et une cheville qui part par là. Donc déjà, anatomiquement, c'est pas bon. Vous avez créé pas mal de blessures comme ça. Donc je garde dans le même axe. Ensuite, je m'assois complètement. Vous voyez, quand je suis ici, derrière, on se met à l'aise derrière sur le genou. On pose complètement son fessier sur le mollet. Et ensuite, c'est mon genou. L'idée est de venir toucher le genou sur le sol sans lever le talon dans le même axe, donc devant. Et là, je vais venir appuyer doucement. Allez-y doucement, les personnes qui ont des problèmes sur les tendons d'Achille aussi, vous pouvez étirer, c'est bénéfique, mais allez-y tranquillement.
Des fois, ça met un petit peu de temps avant d'avoir la sensation d'étirement. C'est normal. Hein. Mais le principal, c'est de garder ce talon-là au sol. Et vous voyez, là, l'amplitude, elle se fait correctement. Donc, j'ai très peu d'ouverture entre ma pointe de pied et mon tibia. Mon corps, il appuie. Donc là, on parle d'étirement actif. Parce qu'on agit sur le corps, on agit sur l'articulation pour ouvrir, pour augmenter l'amplitude. Ouais. Toujours 15-20 secondes, on y va tranquillement. On redit. On fait pareil avec l'autre jambe. Je pose. Je mets bien mon genou dans le même axe que ma pointe de pied. Je viens positionner mon corps sur mon genou vers l'avant. Et j'appuie. Très bien. Ça, c'est important. Je prends du temps, je respire. Parfait. Donc ça, c'est un travail que vous devez faire à chaque fois également. Hein. Vraiment, dès que vous faites le grand écart, on va travailler la cheville. Pourquoi? Parce que après, vous verrez dans d'autres vidéos que sur les chicken kung avec les titoués, lorsque vous faites son titoué, quand vous tapez pour faire le coup de pied devant, normalement, votre pointe de pied doit venir toucher le front. Souvent, ce qui fait défaut, c'est pas l'ouverture de hanche ou de dos, des ischios, c'est la cheville qui ne fait pas le travail de ramener de flexion vers le corps. On va travailler d'autres étirements, d'autres zones du corps. Donc là, surtout le bassin. Donc, premier étirement sur le bassin. Il est très simple, il est facile. Je m'allonge, je tends la jambe, je lève et je vais aller chercher ma jambe de l'autre côté. Alors, pour les personnes qui sont moins souples, vous pouvez y aller avec le genou. Les personnes qui sont plus souples, on garde la jambe tendue. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ma ligne d'épaule et les bras ne bougent pas. D'accord? Il n'y a que au niveau du dos qui tourne. Je respire profondément et là, je ne fais rien. J'attends simplement. Je reviens. Je positionne. Donc, soit, première étape, j'y vais avec le genou. Soit, deuxième étape, je lève la jambe et je vais mettre plus d'effet, ça va mettre plus de force. Le vecteur de force est plus important. Mais je garde impérativement ma ligne d'épaule sur le sol. Alors le pied, il ne faut pas le mettre trop bas, il faut le mettre perpendiculaire à son corps. Quand je vais le lever, l'idée n'est pas de ramener ma jambe proche de ma tête. Hein. Quand je suis ici, je reste, je m'essaye de mettre la jambe le plus loin possible, tout en gardant ma ligne. Très bien. Donc ça, vous pouvez l'activer. Pareil, une dizaine de secondes de chaque côté, deux ou trois fois. Hein. Maintenant, troisième exercice, enfin plusieurs, énième exercice, on va travailler surtout le dos. Le dos, on va aller chauffer un petit peu, on va aller chercher vers l'arrière, on revient. Vous voyez, ça va tirer un peu sur la nuque, on relaxe un petit peu. Hein. Le but, c'est que les genoux viennent toucher au niveau des oreilles le sol. Donc je suis ici, je viens essayer de les toucher. Hein. On va travailler cette souplesse de dos, souplesse cervicale également. On relaxe. Là, j'y vais. Et on attend un petit peu. Alors, si vous arrivez à tenir 10 secondes, c'est très bien. 10-15 secondes, pas plus, parce qu'après, vous avez des difficultés de respirer. Donc, allez-y progressivement. Faites-le plusieurs fois au lieu de le faire une fois longtemps. D'accord ? On va faire le pont. C'est important. Hein, donc, on va travailler en ouverture au niveau du bassin. Donc, le pont. Je mets bien les mains au niveau des épaules. Je ramène les pieds le plus proche possible des fesses. Et là, je vais pousser à la fois sur mes jambes et à la fois sur les mains pour pouvoir développer correctement et faire une belle arche de dos. L'objectif est que les bras soient bien tendus et que les jambes aussi. Donc là, on va pouvoir travailler soit au niveau des épaules en avançant le corps vers les épaules, soit travailler la courbure du dos en ramenant les fesses vers les pieds. Donc n'hésitez pas à répéter ce mouvement-là. Pareil, une dizaine de secondes, 3, 4 ou 5 fois, à vouloir avec des petits temps de pause entre deux. On va faire un dernier travail. Hop, on va prendre sa chaise avec soi. Une chaise, c'est très bien. Si on n'a pas d'espalier, hein, bien sûr, si on a l'espalier, mais je ne pense pas que vous avez tout ça chez vous. Donc, je vais mettre mes mains sur le bord. Donc, en fonction de votre niveau, je vais venir reculer les fesses le plus loin possible et descendre la tête le plus bas possible. Vous avez vu, c'est uniquement le bord des mains, donc les poignets, la face supérieure des poignets, qui tient la chaise. C'est pas les doigts, ça non. Je mets vraiment la main au-dessus.
Ensuite, je recule les fesses le plus loin possible, mes bras restent tendus et je vais descendre la tête en bas. Donc là, je vais travailler mes épaules, hein, pour ceux qui se demandent. Je descends. Pareil, je fais des petits à-coups tranquillement. Une fois que je suis bien positionné, là, je reste 15 à 20 secondes, je respire. Maintenant, dernier travail. On va travailler toujours les bras. Je mets les mains derrière moi. Je garde bien mes doigts vers l'arrière et je pose bien mes mains au sol. Ensuite, mes mains ne vont plus bouger. Et c'est moi qui vais avancer mon bassin vers l'avant le plus possible. Vous voyez, je m'aide un petit peu comme une image d'une limace qui va ramener et je descends. Dernier, je peux utiliser avec mes doigts pour ramener vers l'arrière. Donc là, je travaille toujours mon amplitude articulaire au niveau des épaules. Je respire et je tiens 15-20 secondes. Et ça, je peux le répéter plusieurs fois. Très bien. Parfait. Donc ça, c'est important. Il est important de travailler ses épaules, que ce soit dans tous les styles confondus. Hein. Ça va permettre de fluidifier le mouvement, de gagner une vitesse et une fréquence de coups de poing qui sera beaucoup plus accrue si vous travaillez correctement vos épaules. Donc là, on a vu sur la zone pour l'ouverture, pour la fermeture aussi des bras. N'hésitez pas à faire vos étirements traditionnels, donc c'est-à-dire de fermeture ainsi que d'ouverture. Donc je pose au sol, je pose le coude, je regarde de l'autre côté et je vais ouvrir correctement, travailler l'ouverture, donc j'ai les muscles au niveau des pectoraux. Donc je remonte, je pose au sol, pose la main, je pose mon épaule, je lève la main et je regarde de l'autre côté. Tout de suite, là, je sens que ça travaille au niveau des pectoraux. Parfait. Ok. Vous avez tous les autres étirements aussi que vous connaissez déjà. N'hésitez pas à continuer à travailler. Je vous ai dit, plus vous ferez d'exercices différents, plus votre muscle sera sollicité et plus vous gagnerez en souplesse. Et surtout, pensez. Soit, quand vous étirez les étirements en début de séance, vous pouvez faire des petits à-coups. Ça peut durer 10-15 secondes. Vous préparez votre séance. La souplesse, les assouplissements, vous mettez en position, deux méthodes. Soit vous attendez, vous êtes actif ou passif, donc c'est-à-dire soit vous attendez ou alors quelqu'un vient et vous mettez une pression un peu plus pour être en actif et vous attendez au moins 20 secondes. Soit vous faites la méthode creux, donc je fais contracter, relâcher, je relâche 6 secondes et j'étire 2 secondes. Contracter 10 secondes, relâcher 6 secondes, étirer 12 secondes. Sur le grand écart, sur tout l'ensemble des étirements, vous pouvez faire cette méthode creux. À vous de bien comprendre aussi le mouvement. Par exemple, si je vais faire la méthode creux sur les grands écarts latéraux, hein, quand je suis ici, l'objectif, vu que j'étire devant et en dessous, l'objectif c'est de me ramener ensemble. D'accord? Donc là, je vais contracter ici, je vais essayer de me remonter pendant 10 secondes, relâcher et je vais étirer encore plus loin pendant 12 secondes. Donc notre séance va s'achever sur le thème de la souplesse. J'aimerais bien revenir sur deux, trois petits points de détail. Attention à votre placement de hanche, c'est important, que ce soit pour les grands écarts ou sur votre étirement de jambes. Donc, placez correctement vos hanches. Travaillez votre souplesse de cheville, elle est souvent négligée. N'oubliez pas la souplesse du dos et les bras, elle est primordiale pour le mouvement au chaud. Et voilà. Ensuite, n'oubliez pas, travail de souplesse, on s'échauffe, articulaire, cardiovasculaire, on augmente la température. On répète plusieurs fois les exercices. On se prépare avant, on fait des petits étirements, des petits à-coups, on fait des petits travails de chauffe. Et ensuite, on va étirer les muscles. Et on répète plusieurs fois. On peut varier les exercices sur chacune des zones. Si je fais les adducteurs, je n'hésite pas à faire d'autres mouvements pour venir assouplir cette zone musculaire. D'accord? Aussi, faites attention à votre planification de séance. Si vous avez décidé de travailler votre souplesse et que l'après-midi vous avez travaillé de la musculation ou peut-être de la course ou du cardio, peu importe, faites attention à ça. Parce que si vous travaillez quelque chose qui est un petit peu contradictoire avec votre objectif de la matinée, le corps n'aura pas eu le temps de récupérer. Et là, vous risquez soit de la blessure ou de progresser plus lentement. D'accord? Ce qui est favorable, par contre, si vous faites un travail de souplesse et que derrière, vous avez travaillé vos enchaînements, vos tours de loup,
avec une recherche d'amplitude maximale. Ou alors je vais travailler mes coups de pied. Ou alors je vais essayer de travailler toute une forme où je vais augmenter mon amplitude articulaire. Ça correspond avec votre objectif de la matinée, qui est de la souplesse ou de l'après-midi. Voilà. Donc on va se terminer ici. Je vous souhaite un bon entraînement. Faites attention à vous et on se retrouve. Chingling.